Bonjour, chers amis de Billy Bob, chanteurs de la lumière et chers amoureux de la nature. Good day, dear friends of Billy Bob, dear lightworkers and nature lovers. Mon nom, c'est Chad B. Je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B. I'm an empath alcoholic. Et bienvenue ici après les Yagari dans cette petite vidéo que je vous fais tous les jours sur la chaîne Rising from the Shadows. And welcome here at Freddy Yagari on this little video that I do every day for you on the Rising from the Shadows channel. Ah oui, hein? Encore hein, une journée venteuse aujourd'hui, hein? Still windy today. C'est pour ça que je suis venu à l'intérieur, là. C'est comme un peu à l'abri du vent ici, là, le gazebo, parce que j'ai de la misère avec le son quand il y a du vent avec la caméra. See, that's why I'm doing this video on windy days inside here, the gazebo, because it's a bit sheltered from the wind. Because I have problems with the sound with the cameras when there's wind. En tout cas, c'est une super belle journée quand même. Hein. Il fait pas froid, il fait pas chaud, on est juste bien. It's a beautiful day, it's not hot, not cold, hein. We're super beautiful. I finished boarding up the wall, one wall of the gazebo here. So now I have one face of the roof, one wall. Now I'm gonna do the second face of the roof and then the other wall. So now I'm gonna have to start to do that second face. Hein, là, la façon que je fais, c'est qu'en premier, je vais faire une face du toit et puis un mur de côté. Là, je vais faire une autre face du toit, puis après, là, on pourra faire un mur. Hein, sur cette direction-là. On that direction, do one wall. So either front or back. I think I might do this first. Je pense que je vais faire ça ici avant. Parce que je vais faire comme un mur extérieur ici, jusqu'au poteau, hein, jusqu'au poste, puis rester ça ici ouvert en haut. Hein. I want to do the wall here on this side, just all the way to this post, and then leave the rest open. Donc ça va faire une belle petite place gazebo. J'ai enlevé le beam central hier pour enlever le plastique en dessous parce que les planches étaient sous plastique. Ça, c'est les planches pour le plancher. I took away the center beam to take away the plastic that was covering the floor, the floorboards. And it's holding very well the roof. I don't think I'll need the center beam. Je pense pas avoir besoin du beam central. Mais avant de l'enlever, but before taking it off, I think what I'm going to do is hold the center of the cross, have it pull from the tip of the pyramid. Hein? Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais pogner peut-être des câbles enroulés en entour de la croix du milieu pour tirer avec le bout de la pyramide. Comme ça, je vais pouvoir le beam central, en le serrant, il va tomber par lui-même. Hein. Just tighten that cable that I want to install. This one's gonna fall on its own. So it's not screwed or anything. Il est pas vissé ou rien. Anyway, c'est ça le plan. That's the plan. Mais avant de faire ça, je veux finir le toit, toute la structure extérieure du toit. And before that, I want to finish the exterior structure of the roof. C'est ça. Étape par étape, hein? Step by step. On va continuer, hein? On est comme au milieu de l'après-midi, hein? Mid-afternoon. A good time for a break and take a reflection. We'll read the daily reflections from Alcoholics Anonymous World Services. Donc, bel beau petit temps de la journée, hein, milieu de l'après-midi, puisque on va lire la réflexion quotidienne d'Alcoholics Anonymous World Services. Là, on est rendu à la lecture du 4 juillet. So now we're at the reading of July 4th. Ça va aller mieux. It'll do much better. Bon, OK. Le 4 juillet, une foi naturelle. Au plus profond de chaque être humain, homme, femme ou enfant, repose l'idée fondamentale de Dieu.
Elle peut être masquée par le malheur, la vanité, le culte, d'autres valeurs, mais elle est là, sous une forme ou sous une autre. La foi en une puissance supérieure à nous-mêmes et les manifestations miraculeuses de cette force dans la vie d'être humain sont des faits ainsi aussi anciens que l'homme lui-même. Ça vient des Alcooliques Anonymes de la page 60. July 4th, a natural faith. Deep down in every man, woman, and child is the fundamental ideal of God. It may be obscured by calamity, by pomp, by worship, or other things, but in some form or another, it is there. For faith in a power greater than ourselves, and miraculous demonstrations of that power in human lives are facts as old as man itself. This comes from Alcoholics Anonymous, page 55. I have seen the workings of the unseen God in AA. Rooms around the country. In AA rooms around the country. Miracles of recovery are everywhere in evidence. I now believe that God is in these rooms and in my heart. Today, faith is as natural to me as former agnostics as breathing, eating, and sleeping. A former agnostic. The 12 steps have helped to change my life in many ways, but none is more effective than the acquisition of a higher power. J'ai vu un Dieu invisible à l'œuvre dans les réunions des AA d'un bout à l'autre du pays. Le miracle du rétablissement est manifeste partout. Maintenant, je crois que Dieu est présent dans les salles de réunion et dans mon cœur. Aujourd'hui, il est aussi naturel pour moi, ancien agnostique, de croire que de respirer, de manger et de dormir. Les 12 étapes m'ont permis de changer ma vie de bien des manières, mais aucune ne vaut le choix d'une puissance supérieure. Depuis les débuts des temps de l'humanité, il y avait un Dieu. Before the beginning of time of humanity, there's always been a God. Aujourd'hui, les nouveaux archéologues, the new archaeologists, they found in the last or this century or the last century, le ce siècle ou le dernier siècle, ils ont trouvé des écrits anciens de plus vieux qui pensaient que l'homme existait sur la planète. Des founds plus vieux qu'ils pensaient que la civilisation existait sur la planète. They found writings, the archaeologists in this century, that's older than they thought that any civilization ever existed on the planet. Puis dans ce temps-là, d'après l'interprétation des gens qui ont pu décoder ou les symboles, in the interpretation of those people that decoded the symbols on these, they call them the Emerald Tablets. Talking about a people that's older than the Sumerians. Ils parlaient de gens, les tablettes, les émeraudes. Ils parlaient de gens qui sont plus vieux que les Sumériens. And which what we thought was the first civilization, the Babylonians. On pensait que c'était les premières civilisations. Et puis dans ce temps-là, ils parlent pas vraiment de Dieu, ils parlent des Anunnaki dans ces écrits-là. They don't talk about gods, they talk about Anunnaki. The Anunnaki are a type of extraterrestrial that supposedly came on Earth, seeded us, the man, with the annals of the planet and made the humans. Les Anunnaki, supposément, d'après eux, c'est des gens qui sont venus, des extraterrestres,
puis ils ont mélangé les gènes, leurs gènes avec des animaux de la planète, puis ça a fait l'être humain. Whatever. L'argument, que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas important. Whatever it's true or not, it's not really important. Mais, qu'est-ce qui est important, puis qu'on peut voir là-dessus, c'est que même dans des anciennes cultures, peu importe, il y avait quand même une certaine version d'une puissance supérieure à nous-mêmes. Hein? Even in those old writings, there was still a perception of a power greater than ourselves. Peu importe que ce soit un dieu fait d'esprit et de lumière et d'énergie, hein, comme que certains disent, peu importe que ce soit genre le pouvoir de la vie, puis de la nature, puis de l'évolution, hein, peu importe que ce soit des extraterrestres. No, it doesn't matter whatever it's a god made of spirit and that like that lives, like transcends the body, you know, or whatever it's the force of nature and life and evolution, you know, that, or it could even be extraterrestrial, you know. Même les gens qui croient à l'argent, even people who believe in money, hein? Power, greater, oh, this guy has got it, you know. Ce gars-là, il est puissant, il a beaucoup d'argent. Il y a toujours l'homme, on va toujours vénérer une puissance plus puissante que nous-mêmes. We're always gonna be venerating a power that's greater than ourselves. Tout le temps. Ça, c'est fondamental dans l'humain. That's human fundamental. Mais là, une affaire que... Moi, j'avais entendu ça dedans les écrits de Judas. Hein, l'évangile de Judas. I heard that in the Gospel of Judas, which is not in the Bible anymore. Qui est plus dans la Bible, mais on peut le trouver. We can find it. Dans ces anciens écrits-là, à un moment donné, il y a une parole qui m'a frappé. Il dit, Jésus a dit que tu ne peux que vénérer un maître. Pourquoi? Parce que si tu vénères plus qu'un maître, tu es un traître envers tous tes maîtres. You know, like he says, Judas says that Jesus said that you can only venerate one master, because if you venerate more than one master, you will be a traitor to all of them. Oh, c'est vrai, hein? En réalité, on fait pas notre 100% pour un, on fait notre une fraction, hein, de pour un, puis une autre fraction pour l'autre. And we don't do 100% for one. We do a fraction for one, and another fraction on the other. Whatever, it's 60-40, 50-50. Ça peut être 50-50, 60-40, peu importe. Doesn't matter. Still, it's not 100%. C'est pas à 100%. Unless we have one master. En moins d'avoir un maître. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Billy Bob, chers travailleurs de la lumière et chers amoureux de la nature. I thank you so very much, your friends of Billy Bob, dear light workers and nature lovers. Mon nom c'est Chad B, je suis avec Cody Campat. My name is Chad B, I'm an Implantor Crawley. Je vous souhaite tous un merveilleux 24 heures. Prenez soin de votre établissement. I wish you all a very wonderful 24 hours. Take care of your recovery. Je vous aime. I love you.